Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome et plus particulièrement la dynastie des Junia. Alors oui, on est en pleine conquête de la Mauritanie, on avait pris Yol et Dimidi des mains de Carthage. D'ailleurs, Carthage qui a sa capitale qui n'est pas Cartadact. Pardon. Peut-être en Ibossim. C'est une possibilité, ça. On avait subi quand même pas mal de pertes au niveau de notre flotte. Donc je renvoyais à Syracuse pour on va dire enfin, dans un premier temps, une petite réparation quand même, parce que bon. Et surtout pour un bon recrutement. Là, ils sont trois. Ah, ok. Ah, je suis en cadence rapide. Oh, c'est pas grave. On a un copain au nord qui s'étend plutôt de manière correcte au niveau de la Cisalpina. Et là, au niveau des Gétules, ils nous aiment bien. Va falloir qu'on continue nos conquêtes. Je vais peut-être ralentir au niveau de la conquête là quelques temps. Je pense que je vais aller finir Carthage. Principalement, ouais, je vais aller finir. Mais on va. Ouais, non, ça c'est pas possible. C'est bon. En Tarraconense 6. J'en aurai pas en Tarraconense 6. En Carthaginésie, j'en aurai. Là, j'aurai Caturbe à terme. Ça, j'aurai pas. Macédoine, c'est pas du tout mon objectif actuellement, et bon, ça sera plus tard. Voyons, on va. Oh oui, j'ai des villes à. J'ai des villes dans lesquelles je dois faire certaines choses. On avait dit qu'ici ce serait. Agraire, ce serait une région agraire. Donc je ferai un marchand d'esclaves, production de la richesse de l'agriculture bien augmentée. Ici, port de pêche. Ah, ouais, si, port de pêche. Et ça, on changera le bâtiment, on fera un campement, un camp de bûcherons. Ouais, j'ai besoin de pas mal de fonds, là. Et vu que j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de faire passer des tours. Pour nous en rapporter un peu. Oh la vache, là. Rome qui nous produit 2900. C'est juste énorme. Je vais refuser l'accès militaire. De toute façon, j'irai conquérir les Gétules. Sauf si ils veulent ça. Non. Ils ne veulent pas. Donc c'est un refus catégorique. Lydia Romani. Hop, classico, classique. Une faction émerge. Les Bastards, ok. Oh la vache, sacré trait. Hein. A beaucoup de traits, ouais, c'est agréable. Et des bons en plus. Bon, ils ont pas que des bons, je suppose, mais. Lui, il est pas bon, lui. Se méfie des étrangers, oh là là. Ah bon? Tu fais du pain et des jeux pour avoir plus d'ordre public et lui il t'en retire. Oh, les stats que ça rapporte, ça c'est génial. Allez, attends. C'est que pour les armées terrestres le coût d'entretien en moins. Et mon dictateur, il est en mer. Oh, c'est terrible. Allez, direction la Mauritanie. Hop, on augmente ces deux choses-là. Non, Carthago, on peut pas encore. Brindisium, du poisson, hein, ça sera très très bien, port de pêche. Bon, à moins que.
La richesse du divertissement. Oui, allez. Un petit temple de Mars après. Alors d'ailleurs, où ça en est au niveau de l'entraînement? C'est pas mal, ça avance bien. Ça avance plutôt pas mal du tout même. Voyons voir les Arvaques qui vont essayer de. Oh, non, mais non, ils vont rien pouvoir faire là sur Carthage. On est d'accord, Carthage et les Arvaques qui s'entendent pas bien. Hein. Ah, j'ai rien dit. Ah, zut, je les ai pas rencontrés, je peux pas voir. Je les vois, mais je les ai pas rencontrés. Ah, Keturba qui est en train de subir un siège. Gestion, ok. Un enfant qui est né. Oh non. Ah, c'est pas chez moi. Oui, bah d'accord, ouais. Lui, on se demande ce qu'il attend. Hein. Sparte et Athènes, une alliance. Waouh. Il va pleuvoir de la merde. Hein, non, non, j'ai rien dit. Déverrouille, cavalerie auxiliaire, Sokie Equites, ça j'en ai déjà. Hein. Sokie Equites Extraordinary. Et Sokie Extraordinary. Là, j'en ai pas de ça, je crois. Non. Ça j'en ai, je crois. Ça j'en ai pas. Oh, je sais plus. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Gestion. Ok, on a débloqué la gestion. Oh. Garnison d'auxiliaire, ouais. Mais après, moi, ce qu'il me faut que je débloque, c'est ça et ça. Mais c'est long, 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 long. Très long. On va débloquer ça pour du coup, les unités de siège. Ça paraît intéressant, en vrai. T'as le rang 2 de siège qui est intéressant, mais ça me. Ça, au pire, c'est bien. Plus 25% de munitions pour les unités durant les batailles de défense de siège. Ok. Ça me va. Ça permet aux portes de colonies de verser de l'huile. Ouais, si, allez, on va les faire. Mais vraiment parce que je débloque le rang 1, quoi. Oui. C'est vrai que j'allais oublier ça. A besoin de recruter également une flotte à Syracuse. Pourquoi je vois une flotte Sparte là en mer? Alors, Sparte, c'est pas très très connu pour leurs aptitudes à navigation. Ils me proposent un traité de paix. Voyons voir, ils s'entendent mal avec les Celtes et les Gétules. Je vais accepter. De toute façon, je vais. Je vais défoncer Carthage, donc ça me rapporte de l'or. Voilà, il faut y aller tranquillou. Petite population. Ok. J'ai rencontré les Arvaques. Très bien. Alors, Néapolis. Qu'est-ce que je vais faire à Néapolis, moi? Non. Zut, j'aurais dû agrandir Rome et pas Néapolis. Ah, faut absolument que j'y pense pour les prochaines fois. Ah, ça me débloque quoi? Bon, rien de bien intéressant pour moi. De la bouffe. Là, ça va être un hôtel de Jupiter, auditorium. Je vais faire un autre champ d'entraînement. Ouais. Ici, je vais faire le cible. Et ça partira l'autre champ d'entraînement sur poste de combat, etc. Quoi, ce genre de choses.
Ah zut, c'est vrai que j'ai pas recruté d'unité au niveau de Syracuse sur ma flotte. Faut que je le fasse. Entrepôt de munitions, bélier, toc toc. Oui, d'accord. Ok, ça c'est fait. Bon, on va augmenter ça. Ça va augmenter un petit peu mes revenus d'industrie, de toute façon. Donc c'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Mais ça va vite, hein. Trois unités navales. Un port. Enfin, un port. Un, je ne sais plus quel est le nom du machin. Alors ça m'intéresse, ouais, par contre. Accès commercial. Accès militaire, je veux dire, ça m'intéresse. Pouvoir passer par chez lui au cas où j'ai besoin de faire quelque chose. En supérieur, population inspirée, en Mauritanie, c'est bien. Ok. Et là, on va recruter, on va avoir une flotte à 20. Pas le temps de niaiser ici. Plus de céréales. Parfait. Ouais, le bonheur, il est bon un peu partout. Purée. L'Italia. 5 200, ça me rapporte. Ça n'a aucun sens. C'est tellement fort. Et c'est pas fini, hein. Ah, oui. Esclavagiste. Ah, ça, c'est bien aussi. Esclavagiste, j'aime beaucoup. Ça, c'est très intéressant, mais pas de suite. Ça donne de la diplomatie avec les autres factions. Mais en général, quand je fais ça, je prends. Je développe que la ruse du diplomate, parce que c'est trop fort. Non, je vais faire esclavagiste. Hop, j'ai toutes les unités à cheval et la dernière qui est là-bas. Voilà. Massilia, ils ont de la troupe, hein. Oh la vache! Ils en ont sacrément même de la troupe, hein. Alors moi qu'ils aient tout foutu là. Non. Non, non. Je peux te donner ça si tu veux. Mais... Non. Ah, l'accord commercial, oui, j'aurais pu. Les mûries. Ok, rapport naval, Managrécia. J'ai surplus de population. Ah, il y a eu pas mal de construction là ce tour-là. Je vais augmenter les revenus de manière drastique. Hop, j'ai pas envie de m'embêter. Hop, ça sera fait. Oui, un aqueduc. Après, j'aurai quelques trucs. Ah oui, c'est vrai, là, j'aurai ça à faire. Et également ça. Très bien tout ça. Oui, on va voir comment que ça se passe au niveau de Carthage. Ils n'ont pas l'air de trop vouloir bouger, je les comprends. Ah, les Léviathans. ils ont pas beaucoup de troupes, pas plus que ça. Ah oui, mais tiens, mon espionne. Attends, bah. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là. Voilà, Ibossim, leur capitale. Là, ils ont un amiral. Ça va bien. Hop, direction Carthadacht. Je vais prendre Ibossim en premier. Pas de munitions, qu'est-ce qu'ils me veulent ici? Un garçon, un brofin, Bon, le dauphin. Augmentation du commerce local, bah, c'est bien l'augmentation du commerce local. Ouais. Enfin, on va pas râler. Je fais ce qu'il veut avec son dauphin, hein. Rien à foutre. Il a un flipper, il est content. Hein. Huile bouillante, juste pour les portes au cas où. Là. On verra ça plus tard, ça j'ai pas ce qu'il faut. Et ici ce sera agraire donc. Réservoir d'eau. Ok, tour prochain on aura tout ce qu'il faut. On aura notre flotte qui sera recrutée au maximum. Donc qui sera, on va dire. Qui sera complète, hein. Tiens, c'est chez qui ça? Les Arvernes. Arvernes ou Confédération Gauloise? Non, je crois que la Confédération Gauloise n'a pas été fait créée. Donc les Arvernes, très bien. Pourquoi pas? Ah! Ah, c'était pas prévu ça.
La vache, ah, j'ai des risques de sécession. Les paprika, les Julia. Ah la vache. Direction Carthage, il faut que je prévienne les possibles sécessions. Ouais. Donc direction Cosentia pour lui. Ouais, je vais avoir une sécession sur le dos qui va un petit peu me ralentir. Je vais bientôt avoir de quoi également lever une nouvelle flotte. Non, plutôt une nouvelle troupe terrestre. J'ai dit flotte parce que j'étais en train de bouger la, ma flotte, mais non, non. Nouvelle troupe terrestre. Et ça va être important. Surtout en cas de sécession. Pacte de non-agression, non. Arda et Daorcy, ok, ça. C'est pas mon problème. Dans le bois sommeille un navire prêt à naître. C'est joliment dit. Voilà. Donc on est au niveau de Cosentia, Brindisium. Je préférais que ce soit eux qui fassent sécession. Il y a beaucoup moins de terrain. Réservoir d'eau, poissonnier. Eh ouais, j'ai encore. Là c'est les. Ah ouais, en plus là c'est l'hiver donc j'ai moins de revenus. Forcément. Hop, allez, fonce à Caralis, toi. Je vais avoir besoin de tes compétences. On est combien là au niveau des sécessions, de la risque, du risque? Ouais, ça va. Les deux sont en moins 17, hein. Je vais vite repasser en empire, moi, tu vas voir. On va vite régler le problème des autres dynasties. Parce que là, on a déjà eu une sécession. Ah bah, on en a une deuxième, ça y est. Ah, oh, ça le manque d'agressif en plus. Les gars, Papyria. Bon. J'étais plus ou moins prêt, donc ça va. On va maintenir le blocus de ce côté-là. Où est-ce qu'il est l'armée? Syracuse, ok. Ça me va. Ça me va, c'est même plutôt une bonne idée. Une bonne nouvelle. Parce que je vais pouvoir prendre Brindisium sans avoir énormément de pertes. D'ailleurs. On va partir sur du. Non, on va faire tous les rangs 1 de chaque de construction. Voilà, ça va me permettre de prendre ça avec un nombre de pertes convenable. 84%, allez. Et évidemment, ce que j'avais investi et à réinvestir, c'est pas bien grave. Là, je vais la faire en manuel. Pour éviter d'avoir de la perte, je crois que j'étais à 9% de perte. Je vais voir si je peux éviter d'avoir les 9% quand même. Il y a deux petites flottes de garnison, ils vont rien pouvoir faire. Et les buts, ça va être juste de les. Hop, de tous les pouillaves à distance. Sec, parfait.
Alors, où est-ce qu'est leur flotte? Ils n'ont pas de flotte. Très bien. Double ligne. Allez, c'est parti. Dawa, mais t'inquiète. Hop. Le général, ce sera au cas où. L'amiral, je veux dire. Pardon. Bah, ils sont où? Bah, elle est où leur flotte? Ah, elle est là-bas! Allez, on s'avance tranquillou. Bien sûr, on est en accéléré. On est en feu à volonté, donc ça tirera là où il y aura les unités. Voilà, les navires ont débarqué, donc ça sert à rien. Voilà, le but là, c'est de. Hop! C'est de mettre tout ce qu'il faut sur eux. Hein. Voilà comme ils font. On va en accélérer. Ça devrait le faire petit à petit. Ouais, le vaisseau, vous voyez là, sans de perte maintenant. La plèbe, dite perte. Hop, on en rajoute 14, 16. Voilà. Là-bas, il y a le général. Au vu du nombre de munitions qu'on a, on peut largement se permettre. Hein. De toute façon, ça limitera grandement les pertes. Voilà, de la plèbe en moins. Les Levesses, ils prennent cher. Ils n'auraient pas tardé à. S'ils se prennent un autre projectile. Ah, même pas, ils sont pas pris. Ils ont réussi à esquiver. Bah, leur général aussi, il est pas bien là. Il a pas aimé la blague. Voilà, il y a des bonnes pertes partout. Si au moins je pouvais avoir ces unités à distance avant de devoir débarquer mon général, mon amiral. La plèbe, tiens ici, hein, 50 ans. Hein, il y a plus de la moitié qui se fait. Mais tiens, allez, des baleines ici. Non mais vraiment les mecs, pas les baleines quoi. Je crois que le jeu, il. Vraiment sur la côte quoi les baleines. Non c'est pas ça que je veux faire. Va voir, il est où lui? Tu vas te ramener petit à petit là-bas. Alors voyons voir, on a toujours la plèbe. Oh, c'est dingue ça. Quelques levesses. La plèbe là, elle résiste hein. Qui sont bien espacés et en plus mes navires ont du mal à tirer. La visée, c'est pas trop leur truc, hein. C'est quantité mais pas trop qualité. Hein. Ils sont 23, ils tiennent. Hein. Le moral de ces péons là. Voilà. Je vais me préparer à faire un petit débarquement. J'ai pas le choix parce que leur général, leur couard de général est parti se réfugier là-bas. Allez, on débarque. Ah, on a des triaries. Ah. Ah. Ok.
Y a personne pour venir à notre rencontre? Super. Là, le bouxon qu'on a foutu là. Bon, ils doivent être là-bas les derniers. Ouais, bingo. Ouais, ils sont pas beaucoup, hein. Alors, non, ce qu'on va faire, c'est encore mieux. C'est, on va dire, courir là-bas. Courir vers chez moi. Et eux, ils vont se prendre des... normalement, des tirs de mes bateaux. Yes. Et pour éviter les projectiles, on se mettra en tortue de défensive. Mince. Moi, j'ai perdu personne. Tortue. On a bien fait. On a bien fait. Voilà. Voilà. On a pour l'instant pas eu de perte. Alors par contre, il y a un truc que je vais devoir faire, c'est stopper le feu à volonté quand ils se rapprocheront. Une qui pèse. C'est une bonne idée ça. J'ai eu une perte. Ils en ont infini ou comment ça se passe les projectiles là? Ouf. Ils vont balancer leur pilum de côté, je suppose. Allez, stop au feu à volonté. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et par contre j'ai dit cessez le feu les mecs. Ok, formation carrée. C'est le moment qui est un peu périlleux, autant pour mon général, mes unités. Allez les gars. Non, 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 pas feu à volonté, quelle connerie j'ai fait. Ah la vache, j'ai balancé un projectile là-dedans. Dans l'unité de mon amiral, ça va pas être la bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fout? Mais stop, 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 mais pourquoi? Non mais... Ils sont pas en feu à volonté, hein. Il n'y en a aucun feu à volonté et je leur dis d'attaquer celui-là. Ah, d'accord. Ouais, nous en avons rien à foutre. Hein. Mes ordres, regardez les lignes rouges. Ils en ont absolument rien à secouer. Bon, et stop. C'est bon? Vous êtes calmés là? La vache. La moitié de mes pertes, c'est dû à un tir allié, quoi. Oh. Bande de couillons. C'est pas vrai, ça. Oh, au moins, ça fait toujours une ville de reprise. On occupe. Et là, on va vite envoyer les personnes à pied.
J'ai pas assez d'or. Dommage. Tu m'étonnes avec les revenus que j'ai en moins. Une province entière. Quatre. Quatre villes et villages. Quatre cités et villes. Ou quatre cités et villages, au choix, je sais pas trop. Hop, alors. Le... Non. Faire un théâtre. Oh. Verne Carthage, j'ai Tulle. Les Arvernes, ouais. Nouveau parti, donc les Fabia. Ils sont quoi? Ok. Ok, bah ça y... Ok. Écoute, je suis pas allié avec des Grecs. Je suis pas allié avec grand monde. Même personne, donc. Ah si! Ah si, Massilia, ouais, bah oui, si. Maintenant. Maintenant que je réfléchis. Allez, on va prendre Cosentia. Bon, on est agressif, c'est où j'ai le moins de pertes. Pourquoi pas? Schlack. Un beau coup de glaive. On occupe. Et on va y envoyer. On va envoyer notre flotte. Au niveau de Syracuse. S'il veut sortir, je l'attends. Ah, dommage. Et là, je devrais y arriver. Hein. Prochain ou tour d'après. Juste faire attention. Ah, c'est pas un problème. On va voir qu'ils viennent. Bah, après, ils vont se faire pourrir par les Arvernes, ces couillons. Je vais les affaiblir un peu, les Arvernes. Ouais. Parfait. Allez. Bon, bah, il est venu quand même. Oh! Oh bah ça fait du monde, dit. C'est que ça fait du monde dans le... Oh, il y a un éléphant. Ah, et puis les unités, elles sont correctes en plus, hein. Je vais la faire en mode équilibré. Dans le sens où il a des bonnes unités, il est en supériorité numérique. Ah, des nobles combattants là. Oh, ça picote. Et je ferais vraiment pas mieux en manuel, hein, je pense. Surtout avec des chiens contre des unités lourdes. Je ferais pas mieux en manuel. Il me donne des bonnes stats, tout simplement parce qu'il y a des unités terrestres et qu'il doit débarquer. Mais non, je ferais pas mieux. Je perds une unité. Ah, dommage. J'aurais pas fait mieux. Réduire en esclavage, j'en ai besoin, ça tombe bien. Bon. On va le renvoyer chez lui, le Carthaginois, malgré une perte. Elle aura eu aucune unité de dissoute là. Pourquoi pas? Au moins c'est une bonne défense. Lui, il passera pas. Hein, il passera pas. Oh, purée, ça fait mal cette unité-là. Oh là là là. Et prétorien. Ah, je vais en couler un maximum. Hein. Mais là, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait passer tranquille. Alors, il faut que je divise en deux. C'est surtout les flottes de garnison et la classe 6 une qui va m'embêter. Toi comme d'hab tu te barres. Hop. Et ce dont je vais avoir besoin, c'est une troupe ici. Hein. Enfin une troupe. Une partie ici. Une autre.
juste derrière. Hop, et vous L'artillerie à pouvez votre commandement. avancer. Impeccable. Romains prêts à faire leur devoir. Navire à votre commandement. En espérant ne pas se faire attaquer par l'arrière, parce que tu sais quoi, au cas où il y en a, ils viennent attaquer par l'arrière. Je les avance pas de suite et ils sont prêts à faire demi-tour. Même ici. Alors tout le monde est en. Non, tout le monde n'y était pas, mais je mets tout le monde à l'abordage. Je vérifie que j'ai personne qui vient par les arrières. Par là, ce serait dramatique. Ok, ils viennent par là-bas, par là-bas. Normalement, il y a tout le monde. Ok, c'est bien. Donc, une partie ici. Ça, c'est du transport, c'est parfait. Et je vais mettre l'autre partie comme ça. Hein. Voilà, ça devrait être bon. Hein. Regardez-moi ça. Cavalerie prétorienne, machin. Hop, c'est coulé. Là, derrière, leurs unités de prétoriens a coulé aussi à... Bientôt, bien évidemment. Regardez-moi ça. Hop là! Ciao la cavalerie campanienne, ciao la cavalerie prétorienne. Ah, la cohorte d'Evocati. Ah, une fois que tu vas être coulé, je peux dire, je vais prendre un malin plaisir à te regarder couler. Oh oui. Oh, je vais prendre un malin plaisir à te regarder couler. T'imagines même pas. Allez, ça va faire du bien ça. Ciao. Oh, l'épisode il est long, j'ai pas vu. Oh, l'épisode il est très long. Je vais les avancer un peu. Puissance de feu, parée, en bouche. Roma invicta. On finira juste après la bataille. Oh, ça y est, il est coulé. Oh zut alors. Une belle corde d'Evocati dans la mer. Oh là 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 là. C'est triste. Pour lui, pas pour moi, au contraire. Moi j'en suis un peu plus joyeux. Bon, il est venu le temps de le couler, lui, un jour. Non, c'est passé à côté. Bon, va falloir viser un peu mieux, les gars. Non, mais... Terrible. Je vais d'avancer. Voilà, on a une double charge là. Tous de fiers romains. Oh le bordel que c'est toi. Navire d'artillerie paré, puissance de feu paré. Prêt pour vos ordres. Tribunus. Gloire à Rome. Victoire pour Rome. Navire à votre commandement. Artillerie à votre commandement. Voilà, lui il a coulé. Là on va les envoyer tous. Ça va être seul gros d'avoir, hein. On s'en fout. Voilà. Et puis là, il n'y a plus qu'à accélérer, normalement c'est bon. Oula, les mecs. Eh oh. Qu'est-ce que vous avancez comme ça là jusqu'à je sais pas Balbelouette les bains là. Allez, allez, allez vous replacer. Vous êtes en train de vous faire rattraper là par des unités de transport super lentes quoi. Ah non, par contre, on va continuer. Ah, on va aller choper n'importe qui là. Ah, faut pas les laisser partir. Hein. Là, j'en ai rien à foutre, hein, par contre.
On n'a rien à secouer, vous allez les chercher tout autant qu'elles sont. Et tout le monde le tue là-bas. Oui! C'est la fête! Termine la bataille, voilà. Donc j'ai un de mes navires. Deux! Bravo les gars! Deux de mes navires qui se seront coulés eux-mêmes. Non mais on est bon quand même. Hein. Franchement, putain, ça m'exaspère ça. Ça m'exaspère, mais bon, c'est pas grave. Deux de mes navires qui se seront coulés eux-mêmes, ils se sont dit, oh, tant qu'à faire, hein, faut que ça soit drôle, quoi. C'est pas bien grave. Syracuse, bah, je pourrais le prendre au tour prochain. Hop, on réduit en esclavage. Ah bah, Syracuse, je l'ai pris. Voilà, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu, en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi, on aura jugulé, on aura une sécession et jugulé la sécession, on aura un joli triomphe. En profitant du triomphe, bah, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Bah, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, c'était Thiob. Je vous laisse le triomphe et je vous dis ciao.